À moi. Oups. Et là, on est sur le Wavy Bis. Coucou. Salut tout le monde, c'est Stella et Rebecca de Soli Luna Macramé. Et aujourd'hui, on fait un petit bracelet Wavy Bis parce que vous aviez grave kiffé quand Reb elle avait filmé le tuto Wavy. Elle portait celui-ci et il y a plein de gens qui nous ont dit: Ah, mais il est trop beau aussi, en moins serré. Bref, comme ça quoi, avec des petites insertions de couleurs. Vas-y, tu nous refais une vague pour le fun. Attends, comme ça. Et à Wesh. Malika. Voilà, bref, du coup, on espère que ça va vous plaire, que vous allez kiffer faire ce bracelet. Si vous n'êtes pas abonné encore, vous pouvez cliquer sur l'icône en bas à droite de l'écran. Là, parce qu'en fait, c'est en... Bref, ouais. Et vous vous abonnez, et puis faites tourner la vidéo si elle vous plaît, et si vous pensez que ça peut faire kiffer d'autres gens. Voilà, Belle création. belle création, à bientôt, Tiens. ciao! Donc pour faire ce bracelet, on a besoin de 12 fils de 1,20 m. Après, on a une petite perle de 6 mm. Et on va prendre des chutes de fils. Donc moi, j'en ai pris 1, 2, 3, 4 de couleurs différentes, d'une autre couleur en fait. Voilà, c'est des petites chutes. Donc on y va. Je range ma petite perle à côté. Voilà. Et on prend donc nos 12 fils à la moitié. Parce qu'on va commencer le bracelet par le milieu. Voilà, ici. Et je vais les caler sur ma planche. La petite pince, pas que ça bouge. Et donc là, je prends le premier fil, ici, tout à droite. Il va être mon guide. Je le mets dans la main gauche. Il est tendu, du coup. Et je fais mes nœuds avec tous les autres fils. Donc, nœud basique, on y va. Donc, petite boucle. Le guide, il est dans la main gauche et il est très tendu. Ici, 1 et 2. On prend le fil suivant. Je l'enroule autour du guide. Je le fais passer dedans. S'il veut bien passer. Ok, une fois et la deuxième fois, pareil. Et je serre. Je prends le fil suivant. Mon guide dans la main gauche. Je fais ma petite boucle. Et une deuxième boucle. Et je tends. Le fil suivant. Je fais pareil, s'il ne veut pas s'en mêler. 1 et 2. Voilà, je tends. Et je serre. Et donc, je vais faire ça presque jusqu'au bout. Mon guide, il est toujours dans la main gauche. Et donc, je fais mes petits nœuds basiques. Et donc sur le dernier,
mon guidé dans la main gauche. Je fais ma boucle avec ce fil. Ici, je change mon guide de main. Je vais chercher mon fil, il passe en dessous et à l'intérieur. Et de ce fait, j'ai ma boucle qui va de l'autre côté et je serre. Donc là, on va faire le contour ici de la perle. On y va, on en laisse 5 en haut. 1, 2, 3, 4, 5. Le sixième est mon guide, il va dans la main droite. Et avec le premier fil qui arrive ici, je vais faire un nœud basique. Donc, il passe en dessous et je fais la boucle. Une fois et deux fois. Ok, je fais pareil avec le fil suivant. Mon guide, il est toujours dans la main droite. Ici, ma boucle. Une fois et une deuxième fois. Pareil avec le fil suivant. Donc c'est mon troisième fil. Je fais ma petite boucle. Une fois et deux fois. Quatrième fil. Je vais le chercher en dessous. Je fais ma boucle. Je serre et je refais ma boucle. Et sur le dernier, mon guide il est dans la main droite, il passe en dessous, je fais ma boucle, je change ensuite mon guide de main, il passe dans la main gauche, et ici je fais ma boucle qui part vers la droite, ici, et je serre. Donc là, on va mettre notre petite perle au milieu. Sur nos deux petits fils du milieu. Donc j'ai quatre fils de ce côté, quatre fils ici, un et un, et là mes guides. Et ma petite perle, je vais la mettre ici sur les deux fils du milieu. Voilà, je vais la remonter tout en haut. Et donc, je vais fermer avec mes deux guides. On y va. Ici, celui-ci, il va dans la main gauche. Il est tendu. Et je prends les fils qui sont à l'intérieur, ici, le premier, pour faire ma petite boucle de nœud basique. Donc, il est tendu. Et je fais une boucle et une deuxième boucle. Je prends le fil suivant. Mon guide, il n'a pas changé. Il est dans ma main gauche. Et je fais une boucle, deux boucles. Voilà, je serre un petit peu pour que ça ferme un peu la perle. Ici, il me reste encore un fil. Je fais le basique, allez, 1 et 2, je serre, et donc celui qui est dans la perle, ici pour fermer, je prends celui-là et je fais un nœud basique, mon guide dans la main gauche, une boucle, ils veulent s'en mêler aujourd'hui mes petits fils, dis donc. Donc, je suis là, une boucle et une deuxième boucle. Et je serre. Il faut bien que ça fasse la petite perle. De ce côté-là, ici, ce fil est mon guide. Il va dans la main droite. Et je fais mes nœuds basiques avec les autres fils. Donc, avec le premier, on y va. Une boucle. Une deuxième boucle.
je serre avec le deuxième, pareil, une boucle, deuxième boucle, je serre, il en reste un. Et là, je vais fermer. Je vais pas fermer, je vais prendre celui-là de la perle. Et je fais la même chose. Donc, mon guide, il est tendu dans la main droite. Et je fais une boucle. Je serre un peu. Et une deuxième boucle. Et je serre. Ok. Et du coup, on va continuer cette ligne-là. Donc, ici, je prends ce fil qui est mon guide dans la main gauche et je vais faire un nœud basique avec le fil ici du milieu. Voilà, et donc comme ça je ferme ma perle. On continue la ligne, donc mon guide il est toujours dans la main gauche et je vais faire des nœuds basiques avec les fils suivants. Donc une boucle, une deuxième boucle. Mon guide, il bouge pas, il est tendu. Et j'oriente mes fils vers la ligne. Ok, l'avant-dernier, donc nœud basique, une fois et deux fois, et sur le dernier fil, je fais un nœud ici comme ça, boucle dans ce sens, je change mon guide de main, ici va dans la main droite, je récupère mon fil et je fais ma petite boucle dans ce sens. Et là, je serre. On va prendre l'autre côté du bracelet. Et en fait, je vais juste défaire ici mon nœud. Pour faire la même chose, qu'il y en ait un dans un sens et dans l'autre. Donc ici je resserre un peu mes fils et donc sur le dernier fil mon guide est dans la main gauche, je fais ma boucle dans ce sens là, je change mon guide de main, je vais chercher mon fil en dessous et je fais la boucle dans l'autre sens. Donc là, ça me fait une jolie ligne. Et ici, le début de la vague. Ensuite, celui qui est tout à droite en haut, ici, devient mon guide. Il passe dans la main gauche. Les autres fils vont faire des nœuds basiques. Donc, on y va. Alors, ça ne va pas s'en mêler encore. 1 et 2. Mon guide, il est toujours dans la main gauche. Il est tendu. Nœud basique avec tous les fils, à part sur le dernier, où on fera dans un sens et dans un autre. 1, 2, 1, 2. On serre bien son guide, on serre bien ses nœuds. Bon, je vais essayer de pas trop avoir de nœuds.
Donc mon guide dans la main gauche, nœud basique. Avec mes petits fils, on y va, 1 et 2. Le suivant, pareil. On serre bien. Idem. Et sur mon dernier fil ici, mon guide il est dans la main gauche, je fais ma boucle. Je change mon guide de main, je vais le chercher et je fais ma boucle dans l'autre sens. Ok. Donc en tout on va faire 4 lignes. Là ça fait 1, 2. On va sur la troisième. Celui qui est sous la droite, il est mon guide. Il passe dans la main gauche. Et c'est parti. Nœud basique. Et à chaque fois, à la fin, on va un peu plus vite. Voilà, et le dernier fil, on fait à l'intérieur une boucle. Je change mon guide de main de l'autre côté. J'ai oublié un fil, donc je vais faire le nécessaire. Que je l'ai oublié, non? Oui. Je sais plus. Alors, celui-là, il va dans ce sens-là et dans l'autre sens. Et oui, j'en avais bien oublié. Bon, vous, normalement, vous aurez pas. Vous l'avez pas oublié, mais peut-être. Alors, ici, nœud basique, du coup. Ok, et le dernier fil dans un sens. Je change mon guide de main et dans l'autre sens. On est parti pour la quatrième ligne. On y va. Celui qui est tout en haut est mon guide. Il passe dans la main gauche. Ici, il est tendu et je fais nœud basique avec tous les fils, sauf sur le dernier à chaque fois, pour donner la vague, l'effet vague. Ok, j'arrive sur le dernier fil. Donc, dans un sens, mon guide dans la main gauche, je fais ma boucle. Je vais chercher en dessous, je change mon guide de main et on y va. Voilà. Et donc ici, je continue avec ce guide. Il reste dans ma main droite. Je fais des nœuds basiques avec les autres. Alors, on y va. Ça fait 1. 2, pareil,
1, 2, et je lui donne la direction. 1, 2, et sur le dernier, pareil, ici, je tends mon guide, je fais la boucle dans ce sens, je change mon guide de main, je vais chercher celui-là, et il va dans l'autre sens, de l'autre côté. Allez, fais la boucle. Ici, je serre. Ok. Donc, je vais aller chercher ici mon petit fil. Je peux resserrer un petit coup ici. Ça fait pas de mal. Ici, c'est mon guide. Il va dans la main droite. Allez, on fait des nœuds basiques. 1, 2. Et sur le dernier, on va dans un sens et dans l'autre. C'est parti. Ici, dans un sens, je change mon guide de main. Je vais chercher mon fil en dessous. Et dans l'autre sens. Ok. Troisième ligne, idem. Ici, il va dans la main droite. Je vais chercher mon premier fil. Nœud basique, donc mon guide est dans la main droite. Et sur le dernier, dans un sens, je change mon guide de main. Et dans l'autre sens. Ici, je resserre un petit coup. Celui-là, il est mon guide, il passe dans la main droite. Et je fais mes boucles. On y va. Nœud basique. Et sur le dernier, toujours pareil, on va dans un sens, je change mon guide de main et dans l'autre sens. Donc là, je vais rajouter mes petits fils de couleur, donc je prends mes petites chutes de fil. On y va. Donc là, je dois avoir à peu près 15 cm. Donc ici, à la moitié. Donc là, on a bien notre guide. Ici, on a le premier fil et on va mettre de la couleur dans le petit bracelet. Donc ici, il va dans la main droite. Où, en fait, on le fait en tête d'alouette. Donc là, j'ai fait la moitié. Ici, ça me fait une petite boucle. Passe dedans. Voilà. Et comme ça. Petite alouette. Tête d'alouette. Et je la mets en haut. Avec le deuxième fil, ici. Va dans ma main droite. Il est tendu. Ici, je peux resserrer un coup. Et en fait, je vais faire des nœuds. Avec mes deux petits fils. Donc dans la main droite tendue et je fais mes boucles. 1 et 2. Sur le deuxième, pareil. Et 2. Je prends ici mon autre fil. Là, je fais un nœud basique, du coup, un nœud vertical, comme ça. Le guide dans la main droite, pardon, la boucle, une fois,
Et une deuxième fois, moi, ils sont très petits, mes fils. On y va. Je vais rajouter ma petite chute à la moitié, pareil que tout à l'heure, en tête d'alouette, sur ce fil. En dessous, on fait passer les fils dans la boucle et on serre comme ça et je le remonte. Je vais aller chercher mon dernier fil de couleur que j'avais tout à l'heure. Et je vais tisser donc un nœud, un et deux. Sur le dernier fil du coup, il va dans ma main droite. Ici, je prends le premier fil, je fais mes boucles. Je garde mon guide tendu. Je vais chercher tous mes fils en suivant et je vais faire pareil. 1, 2. Alors du coup, moi, j'ai pris des petites chutes. Alors, c'est des petites, quoi. Deux. Une dernière, un et deux. Ok, et ici je vais prendre mon guide ici dans la main gauche. Je prends mes autres fils et je fais des nœuds basiques. Donc en fait, je continue ma petite ligne du milieu. 1, 2. Mon guide est toujours dans la main gauche. 1, 2. Sur le dernier, un nœud dans ce sens, un nœud dans l'autre sens. Voilà. Et donc ici, je vais couper mes fils et je vais brûler mes fils. Donc on va couper à ras ici, on a bien serré nos petits nœuds. Je prends mon petit briquet. Un peu les fils derrière, voilà. Donc je vais recaler mon petit bracelet sur la planche. Et du coup, je continue. Et donc à chaque fois, je vais avoir ces quatre directions. Donc mes guides vont toujours dans le même sens, c'est toujours mes guides. Celui-là, il va dans la main gauche du coup, et je fais des nœuds basiques.
son dernier fil. Je change mon bout de main après. Je reprends ce fil ici qui va être mon guide. Le basique. Sur le dernier, du coup, une fois dans le sens, une fois dans l'autre. Je change mon guide de main. Le dernier ici, celui-là est mon guide, il va dans la main gauche. Et après, je fais des nœuds. Basique. Donc à chaque fois c'est le même, on va faire la même chose. Si jamais vous voulez rajouter des couleurs sur tous les fils, sur tout le bracelet, vous pouvez aussi, c'est joli. Donc on fera la même technique avec la tête d'alouette. Ok, donc là je vous laisse continuer tout votre petit bracelet. Donc moi j'arrive à la fin du coup de ce côté là. Donc je voulais juste vous montrer sur la fin ce qu'on peut faire du coup. Donc j'ai mes guides au milieu, mes quatre guides. Et ici je vais prendre celui-là dans la main droite. Et je vais faire des nœuds basiques. Et en fait je vais fermer tout en nœud basique pour la fin. 1, 2. Je prends les fils en dessous. 2 en dessous encore, 1, 2, et là au lieu de faire comme tout à l'heure, en fait on fait un nœud basique aussi pareil et on ferme 1 et 2, je serre, je vais aller prendre mon autre guide qui suit. Donc c'est normal si vous avez plus de fils du coup de ce côté-là. Ici, 1, 2. Mon guide, il est toujours dans la main droite. Et je fais que des lignes de points basiques. Et je serre bien mes nœuds. On y va. 1, 2. Je prends notre guide ici. Je resserre un coup et on y va, nœud basique. Il est dans ma main droite, le guide. Il est tendu. Sur le dernier, on resserre ici un coup. Il est dans ma main droite. Et nœud basique. Donc là, à la fin, j'ai un peu plus de fil de ce côté-là.
C'est normal. Le dernier ne va dire qu'un et deux. Ok. Et là, je prends celui-là qui est tout à droite, passe dans ma main gauche, et je le ramène au milieu. Donc là, je fais un nœud basique. Donc là, je tends bien dans la main gauche avec les fils qui suivent. Nœud basique, je serre. Idem avec le suivant. Pareil pour le dernier. Ok. Et pour la fin ici, on va faire un petit nœud plat. Donc je prends mes deux fils ici. Je prends le premier qui est là. Il va au-dessus. Je prends le deuxième ici. Alors attendez. Donc j'ai mes deux fils. Celui-là, il va au-dessus. Le deuxième, il va par-dessus. Celui-là, il va en dessous de mes deux fils. Et il passe dans la boucle. Ici, je serre, mes deux fils sont au milieu, celui-là il passe au-dessus, celui-là il passe au-dessus de celui-là, il va en dessous de mes deux fils et dans la boucle. Ok. Et donc après, on va couper nos fils ici, de ce côté. Donc là, il m'en reste un ici. Je le coupe et je le brûle. Ici, il m'en reste pas mal aussi. Je coupe à ras. Je prends par en dessous et je brûle. Je ramène un peu. Ok. Les deux ici du milieu, je vais les garder pour faire un cordon. Ici, je resserre un coup. Je coupe. Je vais brûler et caler derrière. Voilà. Et donc, je vous laisse faire l'autre côté. Et ensuite, on finit par un cordon à deux brins. Et il y aura la vidéo qui s'affiche sur l'écran. Voilà. Belle création. Et voilà mon petit bracelet fini. Trop chouette. Pour la fin, on peut faire un cordon à deux brins. On peut mettre des petites perles ici pour les finitions. Et voilà, belle création.